Bonjour à tous. Voilà, je profite d'un petit instant de calme pour vous parler, parce que aujourd'hui, la France va très mal. On ne sait plus trop où on va avec ces politiques qui baissent les bras, même lors de leur campagne. On voit qu'il n'y a plus aucune motivation, il n'y a plus d'arguments vraiment convaincants. Par contre, j'ai vu quelqu'un qui avait une grosse, grosse motivation. Il avait des vraies valeurs humaines. Il avait un vrai programme. On sent que son programme est cohérent, que son discours est sincère, qu'il applique lui-même les choses qu'il dit. C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, moi, je ne me base pas forcément sur un seul homme, parce que Jean-Luc Mélenchon, on l'aime ou on ne l'aime pas, il a des qualités, il a aussi des défauts. Mais sa vision des choses, son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, et c'est un mouvement qu'il y a, c'est pas un parti. Donc ce qui fait que c'est pas un homme qu'on suit, c'est aussi un mouvement, c'est une idée, c'est une idéologie. Moi je trouve que son programme est très cohérent, très clair et très réalisable. Et que si tout le monde met ne serait-ce que 1 heure ou 2 par jour à parler de son programme, à parler autour de lui, de cette idéologie-là, eh bien, ça marchera. Voilà. Donc moi, je suis à 100% pour Jean-Luc Mélenchon. Pas parce que c'est un homme, mais parce qu'il a su dégager une idéologie, il a su dégager un espoir. Donc moi, je vous dis simplement, voilà, je vous dis simplement, faites votre idée à vous. Ne regardez pas tout ce qu'on dit sur lui. Faites surtout la part des choses et vérifiez les choses. Voilà, lisez son programme. Il a un programme qu'il a édité par un livre qui s'appelle L'Avenir en commun. Ça coûte 3 euros, donc je vais vous dire, c'est pas la mer à boire, mais ça vous permettra de voir les choses et de réfléchir sur son programme. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, donnez-lui. Il est ouvert à tout. Son équipe aussi est ouverte à tout, donc il n'y a pas que lui, il y a aussi son équipe. Donc allez-y, faites-le parce que c'est vraiment, vraiment un espoir pour la France, mais non seulement pour la France, mais c'est un espoir aussi pour l'humanité. Parce que si la France réussit ce que Jean-Luc Mélenchon veut faire, on servira d'exemple à tous les autres pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Simplement, allez-y, foncez, faites les choses de votre cœur, parce que Jean-Luc Mélenchon aussi, c'est le fait qu'il a les vraies valeurs humaines. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment, ça vient du cœur, quoi, chez lui. On sent que quand il parle, ça vient du cœur. Voilà. Donc n'hésitez pas, faites-le. Regardez son programme, réfléchissez, donnez aussi vos idées parce que c'est participatif. Hein, chacun peut apporter ce qu'il faut et vous allez voir que vous allez être vraiment surpris de son programme. Allez, bye bye, à très bientôt, j'espère.